Rien à dire des chiffres. Connaissez-vous la légende du Tchagata? Je suis Mélina Costas, réalisatrice du projet de film Tchagata. J'ai déjà eu de l'expérience en tant que directrice artistique. Il faut juste que je lise une fois mon truc avant de le faire, je pense, Thibaut, parce que j'arrête pas de regarder là. Tu poseras loin de toi. Ouais, mais je peux vite... Tu peux couper. L'histoire parle... Ouais, attends, comment je peux dire ça? L'histoire est fortement inspirée... c'est nul quand je dis ça. En fait, ça parle d'un Tchagata, mais vous savez pas ce que c'est un Tchagata. En fait, c'est un personnage du folklore suisse, plus particulièrement de la région du Lechental. Je disais que j'avais décidé de raconter en fait une histoire à propos des Tchagata, parce que quand j'étais gamine, j'étais allée dans le Valais pour visiter notamment le glacier d'Aletsch et toute cette région patrimoine de l'UNESCO qui est absolument magnifique. Et ce qui m'avait frappé, c'était sur les chalets, beaucoup de ces masques un peu étranges qui étaient posés sur les façades. Et c'était assez flippant, en fait. Moi, ça vraiment, ça me fascinait. Et ça m'est resté. Et quand j'ai recherché des idées de sujet pour écrire un scénario pour un court-métrage qui se passerait éventuellement en Suisse, je suis retombée là-dessus et j'ai creusé le sujet. Et puis, moi, j'ai trouvé le sujet fascinant sur les Tchagata. Ouais. On va se retrouver à filmer dans des décors qui ne vont pas être très faciles, des glaciers, des pentes enneigées, des falaises, de la végétation, parfois plusieurs heures de facilité d'approche en véhicule. Donc ça aussi, ça va être sympa. Il va y avoir un bon calendrier assez difficile à gérer, je pense. Mais ça va être intéressant. Les mecs s'arrêtent tous là, c'est quand même incroyable cette histoire.